mercy. Ain't no mercy. Wesh l'équipe, salut chat, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, je vous souhaite à tous une bonne année. J'espère que cette année se déroulera bien pour vous ainsi qu'à la chaîne YouTube. Pour commencer ce mois de janvier, j'aimerais qu'on atteigne les 1000 abonnés les gars. Du coup, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, comme le nom de la vidéo l'indique, je vais te faire un test sur le foyer Saphir Hotshot RT et je vais te montrer sa préparation. C'est parti. Le foyer Hotshot RT, c'est avant tout un foyer en céramique de chez la marque Saphir. C'est aussi le foyer le plus petit de la gamme de chez Saphir. Ce foyer est muni de nombreux trous qui permettra d'avoir un bon passage d'air optimal ainsi qu'une fumée épaisse. C'est un foyer compatible avec les systèmes de chauffe type Rude, même aussi pour accueillir les systèmes de chauffe Octopus Plankton et One Smoke. Et c'est un foyer qui existe en plusieurs coloris, du coup vous ne serez pas obligé de vous le procurer de cette couleur. La préparation de ce foyer est vraiment très simple, vous n'avez qu'à déposer vos 8 voire 10 grammes de tabac tout en les frittant. Ensuite, avec l'aide de notre Pikachu ou votre cure-dent, on va tout simplement ramener ce qui dépasse des extrémités du foyer. Et vous êtes parti pour fumer un bon 45 minutes, voire une heure, ce qui n'est vraiment pas négligeable vu la quantité de tabac qu'on y met. La préparation a été hyper simple comme vous avez pu l'apercevoir. À présent, on va voir les points positifs et négatifs et la fumée que peut nous dégager ce petit foyer. Pour ma part, ce soir, je fumerai sur cette jolie grille coloniale, ainsi que 3 blocs coco en 26 mm. Évidemment, je vous conseille des charbons à 26 mm qui ont une puissante chauffe, qui seront les Black Coco et les Coco Palm, qui sont mes charbons favoris. Ensuite, on y dépose ces charbons collés à la cheminée et par la suite, on les écarte pour gérer la chauffe. Du coup, on en vient au point positif. Donc, on peut commencer par dire que c'est un foyer très économique en tabac vu qu'on ne met que seulement 8 voire 10 grammes de tabac. Ensuite, s'ils ont conçu ce foyer, c'est uniquement pour des sessions en vitesse, ce qui est super pratique si on a envie de se lancer une petite session avant de commencer le boulot, ou si on a juste la flemme de se lancer une session d'une heure et demie. Donc, on en vient au point négatif. Donc, il n'y en aura pas, à part si vous me dites que le prix du foyer est plutôt cher, au prix de 15€. Donc, personnellement, je préfère mettre 15€ dans ce foyer, fumer régulièrement dessus, tout en économisant du tabac. Conclusion, si vous n'avez pas le temps de vous lancer une session d'une heure et demie ou si vous avez juste la flemme, eh bien ce foyer vous correspondra. Personnellement, c'est l'un des foyers que je fume le plus souvent dessus. Il est plutôt beau, il est économique en tabac, il est au prix de 15€, il va vous occuper pendant 45 minutes, voire une heure. Niveau ressenti goût et fumée, tout vous sera au rendez-vous. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura fait kiffer. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité de mes vidéos, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera à la fin comme d'habitude, et je te laisse sur ces 3 dernières notes.